C'est un décor désolant qu'a présenté ce vendredi dans l'après-midi les sièges administratifs de la Société nationale d'électricité à Kinshasa-Gombe. C'est la débandade dans le couloir, un incendie est déclaré. Parti des ascenseurs au 9e niveau, le feu s'est vite étendu au niveau inférieur du bâtiment. Une situation grave qui aurait pu s'empirer sans l'intervention des services anti-incendie de l'hôtel des villes de Kinshasa, ici à l'œuvre. Un témoin explique. Oui, cet incendie que vous constatez, ça a commencé, nous entrer dans nos bureaux de l'autre côté. Et puis on a juste vu le flamme, la flamme. Et puis voilà, ça a commencé à 6e, 8e et puis 10e. Et puis les dégâts, on l'a constaté. L'alerte est donnée, les ministres des ressources hydrauliques et électricité descendent sur le lieu du drame. Bruno Kapanji est venu se rendre compte de la situation sur le terrain. À ses côtés, les conseillers spéciaux chef de l'État en matière des infrastructures ainsi que le numéro 1 de la SNEL. Un spectacle affligeant qui a causé plusieurs dégâts matériels, une bonne partie des provisions et vivres frais destinés aux agents de la SNEL pour les festivités de fin d'année a été carbonisée. À part quelques blessés par brûlure, aucune perte en vie humaine n'a été signalée par les autorités.